Vous n'avez pas vu Yacine de ce JT, s'il vous plaît? Je crois qu'il est au bureau d'en bas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du The JT, journal télévisé numérique qui aujourd'hui est présent sur le 8e festival international des scénaristes qui, je le rappelle, est un lieu unique d'échange et de rencontre entre le public, les professionnels du cinéma, de la télévision et du documentaire. C'est aussi un festival qui s'est affirmé au fil de ces éditions comme un grand rendez-vous consacré à l'écriture de l'image et à la découverte des nouveaux talents. Monsieur Claude Miller, bonjour. En fait, j'aurais voulu vous poser la question, quel est le rôle en fait d'un invité d'honneur dans un festival international des scénaristes? Oh, ben, je crois que c'est de se laisser faire, de montrer quelques-uns de ses films. Comme c'est un festival basé sur le scénario, je pense que les questions qu'on va me poser sur mes films, c'est sur les scénarios de mes films. C'est un petit festival qui m'est rendu. Je m'appelle Luce et je suis comédienne de la DAMI. Donc j'ai été invitée par le festival des scénaristes par le biais de la DAMI pour représenter avec mes amis deux scénarios, l'esquive et l'esquive et hop, voilà. Donc nous. Non mais en fait, ce qui est intéressant de dire en fait, c'est que il n'y a plus de batterie. Alors il n'y a plus de batterie, ça filme plus, mais voilà, c'est pour ça que j'ai parlé. Et donc là cette année, on parraine encore 3 comédiens, donc on est 6. Et ce qui était intéressant l'année dernière, en fait, si tu veux, c'est qu'on avait fait justement des lectures de scénarios, mais animées, quoi, assez vivantes. Donc moi c'est Rachid, donc jeune talent Cannes de la DAMI 2004 aussi. Je vais nous venger, papa. Mais non, Justin, ça sert à rien, je suis là, arrête de faire tout ça, ça sert à rien. Ils ont tué France, papa. Donc on apporte une touche fantasy parce que c'est on fait une adaptation du scénario du film par rapport au scénario et on apporte aussi notre touche personnelle. Ouais, c'est la pression, je suis impressionné. Ouais, voilà. Il y a ma mère, excuse-moi. Allô, maman. Oui, c'est la télé. Excuse-moi, je te rappelle. Merci à The JT, vraiment. Merci de merci à Arnaud. Merci Yacine. J'avais rien demandé. Mais franchement. Fils, il nous prend la main. Pourquoi il nous prend la main, t'es ouf, quoi? Donc, comme prévu, je suis en présence de 3 comédiens, de Anne-Sophie, recrue Cannes Adami 2004, de Farid, recrue Cannes Adami 2003, et de Priscilla, recrue Cannes Adami 2003. Moi, je voudrais rajouter que le festival des scénaristes, c'est un truc indispensable, et que c'est pas pour leur lancer des fleurs, mais l'ambiance est super, et les gens sont hyper sympas, et c'est pas... Je le dis pas comme je le dis parce qu'on a fait d'autres festivals et je le dis pas comme je le dis à d'autres festivals. Il y a vraiment un truc, je sais pas, on rencontre des gens comme on les rencontre jamais, quoi. Les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, tout le monde est hyper disponible. Et je sais pas, c'est simple en fait. C'est-à-dire que les gens sont eux-mêmes ici et c'est un truc qu'on retrouve dans aucun autre festival, quoi. Très bien. Très bien. Oui aussi. Ouais, c'était génial. Ouais. Ah, c'était génial. Oui. Est-ce que ça a suscité des vocations chez toi? Non, pas vraiment.